Coucou et bienvenue sur tes passe-crapes. Alors aujourd'hui on fait le papillon de Sylvie de la chaîne Sylvie Coltou Partout. Alors nouveau défi, nouveau thème, un papillon. Voilà, donc tous les jeudis, elle va nous demander de décorer un papillon avec le thème qu'elle aura choisi. Pour le premier, elle a choisi, il faut faire un papillon avec un fond de page de livre. Voilà. Donc, j'ai vu que vous aviez déjà fait tout le vôtre. Franchement, c'est super beau. Vous avez plein de super idées. Moi, je vais essayer quelque chose. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Voilà. J'ai envie de. Bon, j'ai découpé un papillon, j'ai pris modèle dans ce kit que j'avais reçu de Amélie, je crois, de la chaîne Créamélis, comme support. Alors, je vais commencer par. Alors, j'ai pris du papier livre un peu vieux. Enfin, c'est pas un peu, c'est il est vieux. Et je vais venir le coller dessus. Alors. Bien, c'est que ça recouvre tout le papillon quand même. Je mets du côté lisse, je préfère. Hop. Voilà. Tac. Oh bah dis donc, il y avait du soleil et hop, il n'y a plus rien. Tac. Non, je suis blonde là, j'ai fait ma blonde. Lise, t'as fait ta blonde. C'est l'inverse qu'il faut que tu fasses. Oh là 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 là. Ah non, mais je vous dis, en ce moment, je suis vraiment. C'est du grand n'importe quoi. Ah, bref. J'espère que vous allez bien. Que vous faites aussi les petits défis de Sylvie. C'est sympa. Elle a encore eu des super bonnes idées. Et puis. Ça permet de nous donner aussi voilà, l'envie de créer, de faire des choses. Parce que des fois, on n'a pas toujours d'idées ou on n'a pas toujours envie. Alors, ça nous bouge un petit peu. Voilà. Alors, évidemment, je sens que sur mes doigts derrière, ça colle. Je vais me laver les mains. J'ai des doigts de Playmobil en ce moment. Alors, est-ce que c'est parce que je suis malade et que je sais pas. Est-ce que c'est l'état fébrile qui fait que voilà. Mais je tremble, je sais pas, j'arrive à rien. Je crois que je suis foutue. Foutue pour le scrap. Tac. Ah, voilà. Donc ça, facile. Ensuite, j'ai envie d'utiliser la petite libellule. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est papillon. Non, oui, mais moi j'utilise une libellule quand même. Parce que je suis allée à Action et je les ai trouvées. J'ai pris la petite libellule. J'ai pas trouvé les autres. Ou ceux que j'ai pas trouvés, c'est parce que je voulais pas les prendre en fait. Je pense que je vais venir le tamponner avec du noir. Et je vais peut-être un petit peu vieillir les bords de mon papillon avec. Alors, la Easy Ink Brou de Noir. Ça fait un peu vieux rose. Ouais, c'est ça. Alors, moi, je suis. Oh non, il ne faut pas que je fasse comme ça. Vous allez crier derrière l'écran. Mais je n'ai pas de. Si, j'avais celui-là. Alors, on va essayer de faire ça bien. Je vais en avoir plein les doigts. Je vais me laver les mains après. Alors, faut que je me méfie en me lavant les mains parce que vous voyez, l'autre jour, je me suis brûlée, je vous l'avais dit, en faisant la cuisine. Remarque, voilà, cuisiner quand on est malade, qu'on a 39 de fièvre, c'est pas l'idéal. Hein. Et puis je me suis brûlée avec de l'huile. J'étais
J'étais partie faire autre chose. J'ai mis ma poêle à chauffer. Je suis allée faire autre chose. Et quand j'ai mis mes trucs dans ma poêle, hop, ça a sauté partout. Alors, ouais. Là, la cloque, elle est partie. Il y avait une belle petite... Il y avait deux belles petites bulles. Hein. Et maintenant, du coup, ça commence à me faire mal. Ça me faisait pas mal avant. Hein. Bon, bref, blablabla, blablabla. Lise, raconte-nous pas ta vie. Raconte-nous ce que tu fais. Donc, j'ai ancré les bords de mon papillon. Je vais venir tamponner ma libellule. Alors... Le papier calque que j'ai là, c'est pareil, c'est du papier, du vieux papier. Hein. J'ai trouvé ça chez Emmaüs encore. J'arrive encore à trouver des choses sympas, mais c'est vrai qu'Emmaüs, c'est de moins en moins bien. Les greniers vont recommencer, donc je vais pouvoir aller voir si je trouve des petites choses sympas. Alors, voyons. Tac. Oh là, j'ai bougé. Bon, on recommence. Voilà. Tac. C'est pas mal, mais c'est pas bien quand même. On recommence. Non, parce que j'ai pas le bout de l'aile. Je sais pas si vous l'avez essayé, vous, celui-là. Je trouve que j'aurais dû mettre un truc mou en dessous. Ah oui, il est où mon truc bleu? Alors, attendez. Sont plus bon. Voyons. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux. Il est beau ce tamponnage, je trouve. Il est super fin, franchement. Sur ce coup-là, Action, ils ont fait des beaux tampons. J'avais pris le scarabée, que j'aimais beaucoup. Je sais pas pourquoi, je l'ai repoussé en rayon, je me suis dit oh, je l'utiliserai pas. Et maintenant, je regrette. Mais bon, ça c'est tout moi. Donc, ben, je vais voir si je le retrouve. Quand je serai en forme, je retournerai faire un petit tour chez. Bon, ce petit ciseau, ça va pas. Je retournerai faire un petit tour chez Action. Alors, je vais essayer de découper la libellule et venir la coller dessus. Pas trop ce que ça va donner. Je vais essayer. Bah, pour moi, le papier de livre, ça m'inspirait quand même quelque chose d'assez. Alors là, avec l'encre que j'ai prise, c'est de la Memento. Je crois que ça va mettre deux plombs à sécher mon truc. J'aurais pas dû prendre cette encre-là. Je recommencerai si ça va pas. Voilà. Alors, ma petite libellule. On va bien lui recouper un petit peu en haut. On va vouloir faire toujours mieux. Je vais faire une bêtise. Tac, tac. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que je retamponne quand même la libellule en dessous? Peut-être. Alors, je vais faire comme ça. Ouais, très bien. Alors, évidemment, ça, on a mis sur mon tapis. Mais ça, je le savais. Voilà. Vous êtes toujours là? Ouais. Et je vais coller ça là comme ça. Ouais. Je relèverai les petites ailes après, quand ça sera bien bien sec. Je vais juste mettre un tout petit morceau de double face au niveau du corps de la libellule, là au milieu.
pas. Et je vais venir coller ma libellule dessus. Après, j'aurais peut-être pu rajouter des petites choses en métal, des petits papiers en métal. Oh, bah alors, je crois que j'enlève mes lunettes, quoi. Comme d'habitude. Ça m'agace. Pardon. Alors, je vais y arriver ou pas? Je peux tousser, je vais pas y arriver. Alors, je vous mets en pause, comme ça je tousse. Me revoilà. Je vais me chercher un petit verre d'eau, ça va mieux. Alors, je colle ma libellule dessus. Tac. Ah bah ouais, c'est sympa, j'aime bien. Après, il faudrait que je puisse lui enlever un tout petit peu les ailes. Tout petit peu. Pardon. Voilà. Bah écoute, moi j'ai pas très envie de. Alors évidemment, je serais tentée de mettre des petits papillons en métal là. En métal ou en bois, hein. Alors, j'en avais là. J'en ai vu tout à l'heure. Pardon. Ah, ça me fatigue. Là. On peut. À chaque coin. Ou un seul. Un seul, c'est bien. Ouais, je vais rajouter un petit papillon là dans le coin. Petite découpe bois, c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup. Et pourtant, c'est vrai qu'on peut faire des choses super sympas avec. Alors, est-ce que je le laisse comme ça? Est-ce que je le colorise un petit peu? Oh, je l'aime bien comme ça. Allez, colle. Colle. Alors, est-ce qu'il est fini mon papillon? Puis mettre une petite breloque. C'est Brigitte qui a mis une petite breloque là, avec les petits livres, tout petit mini livre là qu'elle a fait, c'était joli. Bon, je vais pas coller encore des fleurs, j'en colle partout en ce moment. Après, non, j'ai envie de mettre un mot. Ben non, c'est pas la peine parce qu'il y a déjà les pages de livre. Non, je pense que je vais laisser comme ça. C'est simple, mais j'aurais peut-être noirci un petit peu plus. Ici, je mets un petit peu, tout petit peu de noir. J'ai envie d'essayer un truc. Ça se trouve, je vais faire une grosse bêtise. Ah ben non, c'est mieux. Je préfère. Je mets un tout petit peu de noir en plus de mon rose là. Enfin, c'est pas du rose, c'est brou de noir, je vous ai dit. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça cercle mieux les contours du papillon, c'est plus joli. Ah bah ouais, c'est mieux. Eh ben ma foi, je pense que je vais le laisser comme ça. Il est tout simple, mais j'ai pas envie de rajouter d'autres choses. Voilà, donc mon petit papillon du jeudi numéro 1 est terminé.
J'espère que voilà, que vous avez fait les vôtres. Si c'est pas fait, vous avez encore un petit peu de temps. Et puis ben, on se retrouve jeudi prochain pour le prochain thème. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.